10 ans. 10 ans que Troie a été ravagée. La cité aux hautes murailles, réputée invincible à travers le monde entier, n'est plus que ruine. Le roi Priam a été massacré, et avec lui ses fils, le vaillant Hector et l'ardent Paris. Et tous les princes et les soldats troyens, et toutes les femmes de Troie, les enfants, les vieillards, tous ont été tués sans pitié, et tous ont été laissés sans sépulture. Les Grecs, assoiffés de vengeance, après un siège long de 10 années, ont tenu la promesse qu'avait faite leur roi, Agamemnon. Il ne reste plus une pierre à Troie, et plus un seul survivant parmi les Troyens. Agamemnon, Ménélas, Ulysse. Les héros grecs rescapés de la guerre de Troie ont repris la mer depuis bien longtemps. Que sont-ils devenus ? Depuis l'Olympe, Zeus observe les hommes. La guerre de Troie les a profondément changés. Les héros grecs, qui jadis sacrifiaient aux dieux tout-puissants, les redoutaient, leur rendaient grâce, se comportent désormais comme s'ils étaient devenus eux-mêmes des dieux. La victoire les a grisés, transformés, beaucoup plus profondément que nul n'aurait jamais pu l'imaginer. Regardez Agamemnon, le roi des rois, comme il se nomme lui-même. Roi de Mycène, il a conquis toutes les cités grecques avant de leur ordonner de marcher sur Troie, qu'il a mis des années à réduire en cendres. Il règne désormais sur tout le monde connu et il se prend pour plus qu'un roi. Son frère, le fauve Ménélas, l'a accusé de commettre le plus grave de tous les péchés, le péché d'orgueil et de démesure. Mais lui-même, Ménélas, l'époux de la belle et infidèle Hélène, grand vainqueur des Troyens, s'enivre de sa propre puissance, de ses victoires au combat. Il oublie que ce sont les dieux qui ont décidé de l'issue de cette guerre. Mais c'est précisément cette décision qui, aujourd'hui, sème la discorde parmi les dieux. Car l'Olympe, où Zeus règne en maître, est aujourd'hui désuni et presque vide. Les dieux qui soutenaient les Troyens pendant la guerre accusent Zeus d'avoir injustement favorisé les Grecs et d'avoir causé la perte de leur camp. Aphrodite, déesse de l'amour, Apollon, dieu de la lumière, et Artémis, déesse de la chasse, ont disparu. Depuis la chute de Troie, aucun n'a plus daigné réapparaître sur l'Olympe. Nul ne sait où il se trouve. Et le monde, depuis 10 longues années, semble privé de leurs bienfaits. L'amour, la lumière et jusqu'à la chasse ont cessé d'être fastes pour les mortels. Un autre dieu, et non des moindres, a déserté l'Olympe. Arès, le dieu de la guerre. Dans les dernières heures de la guerre de Troie, Arès s'est violemment opposé à Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la raison. Blessé par sa demi-sœur, durement sermonné par son père, Arès a juré qu'il ne reparaîtrait sur l'Olympe que lorsque Zeus lui rendrait justice en punissant Athéna. En attendant, il frappe les mortels de ses traits et répand la guerre partout où il passe. Mais il manque une autre divinité aux côtés de Zeus, son épouse, la divine Héra. Elle, c'est Zeus qui l'a bannie. Il la tient pour responsable de la discorde qui divise les dieux de l'Olympe. Il n'est pas prêt à lui pardonner les multiples complots dont elle fut l'instigatrice.
Zeus a enfermé Héra dans ses appartements et lui interdit d'assister à son conseil. Et ce n'est pas tout. Les frères de Zeus, Poséidon et Hadès, contestent son pouvoir. Poséidon, l'ombrageux et éternel comploteur, ne quitte plus son palais sous les mers. Hadès, le gardien du royaume des morts, est venu défier Zeus jusque sur l'Olympe sacré. Car, depuis que les hommes se sont entretués sous les murailles de Troie, le royaume des morts sur lequel il règne est plus peuplé que le royaume des vivants sur lequel Zeus est censé veiller. Lui, le puissant Hadès, détient désormais un pouvoir beaucoup plus grand que celui de Zeus et il exige d'être élevé au même rang que lui. Son épouse, la redoutable Perséphone, a pris son parti. Tout comme Déméter, sœur de Zeus et mère de Perséphone, toujours prompte à protéger sa fille. Quant à Héphaïstos, le boiteux, il vit en misanthrope et préfère les forges brûlantes de son île de Lemnos aux douceurs parfois amères de l'Olympe. Autour du dieu des dieux ne reste plus que sa fille, Athéna, et le dernier né de ses fils, Hermès. Athéna, depuis des années, a une conviction. Si les hommes se prennent désormais pour des dieux, il en est un qu'il faut surveiller plus que les autres, et peut-être même aider. C'est le roi d'Ithaque, Ulysse, qui peine à rejoindre son île et à retrouver les siens. Ithaque, le royaume d'Ulysse. Ce vieillard qui traverse la cour du palais, c'est Mentor, l'ancien précepteur du fils d'Ulysse, le jeune Télémaque. Mentor rejoint la grande salle où le roi, d'ordinaire, offre ses banquets. Des hommes sont en train de festoyer. Près du feu, une femme tisse un linceul. Elle n'est plus très jeune. Le visage fermé, elle semble ne rien entendre des cris et des éclats de rire qui résonnent autour d'elle. C'est Pénélope, l'épouse d'Ulysse, la mère de Télémaque. Voilà des années que Pénélope est harcelée par une foule de prétendants, des jeunes gens de haute noblesse, tous anciens sujets de son mari, Ulysse. Tous sont convaincus qu'Ulysse ne reviendra plus. Il est parti voilà près de 20 ans, et la guerre de Troie a pris fin il y a bientôt 10 ans. Il est temps pour Pénélope de choisir un nouvel époux. Les prétendants brûlent d'être dans son lit, couchés près d'elle, et ainsi de régner sur les îles qui forment le beau royaume d'Ithaque. Arrogant, prétentieux, plein de morgue et de violence, il presse Pénélope de choisir l'un d'entre eux. En attendant, il dévore les biens d'Ulysse. Mentor va droit à Télémaque, le fils d'Ulysse. Le nouveau-né que le roi a abandonné pour aller combattre les Troyens est devenu un beau jeune homme de 20 ans. Voilà bien longtemps qu'il n'a revu Mentor, celui qui lui a tout appris. Mais ce que le vieil homme est venu lui dire n'est pas tendre. Il est temps que Télémaque se ressaisisse. Il y va de son honneur et aussi du destin du royaume. Il ne s'agit plus de se montrer enfant. L'âge en est désormais passé. L'heure est au courage. Télémaque doit au plus vite retrouver son père. Un homme peut l'aider dans sa quête.
Ménélas, le roi de Sparte qui a combattu avec Ulysse sous les remparts de Troie. Ménélas est le dernier des Grecs qui ont eu la chance de rentrer chez eux. Meurtri, certes, mais vivant. Il saura lui dire ce qu'est devenu Ulysse, s'il est vivant ou s'il est mort, soit qu'il ait vu sa triste fin, soit qu'un autre lui ait conté. Revigoré par les paroles de son ancien précepteur, Télémaque marche vers les prétendants. Tous le dévisagent. Depuis si longtemps, ce jeune homme courbe l'échine, se contente de gémir sur son sort et de pleurer l'absence de son père. Et voici que soudain, il leur annonce d'une voix ferme qu'il va partir à la recherche d'Ulysse. S'il apprend que son père a péri, alors il s'inclinera. Il reviendra au pays natal lui élever un monument. Il lui rendra les honneurs en accomplissant les rites funèbres et donnera un époux à sa mère et un nouveau roi à Ithaque. Mais s'il découvre qu'Ulysse n'est pas mort, alors que les prétendants redoutent sa vengeance. Tôt ou tard, des ricanements et des sarcasmes répondent à Télémaque. Antinoos, celui qui semble être le chef des prétendants, marche vers le jeune homme. Il l'invite à les rejoindre et à participer au festin. Mais Télémaque le repousse violemment. Aussitôt, les menaces fusent. Les prétendants interdisent au fils d'Ulysse de prendre la mer et de voguer loin d'Ithaque. Télémaque quitte la salle, la rage au ventre. Il n'est pas encore l'heure d'entrer dans la mêlée. Mentor s'empresse de le rassurer. Il se fait fort d'affréter un navire et de trouver un équipage de volontaires parmi les hommes restés fidèles au souvenir d'Ulysse. Demain, dès l'aube, ils partiront. Cette nuit-là, dans le palais endormi, alors que Télémaque rêve au voyage que lui a promis Mentor, les pensées les plus noires envahissent Pénélope. Usée par les larmes et les soucis, elle ne parvient pas à fermer l'œil. Elle a perdu un mari. Si Télémaque part à son tour, elle perdra aussi un fils. Les premières lueurs de l'aube éclairent le port. Le vaisseau promis par Mentor est bien là. Télémaque voudrait lui exprimer sa gratitude. Il le cherche, mais le temps presse. Il monte à bord. Sous les vêtements du vieux Mentor se dissimule une déesse, Athéna, bien résolue à protéger le fils d'Ulysse. Lorsque Télémaque arrive à Sparte, on célèbre un double mariage, celui des enfants du roi Ménélas, son fils et sa fille. Comme tous les étrangers qui s'apprêtent à rencontrer le roi, Télémaque est accueilli par un bain. On le parfume, on le drape dans une somptueuse tunique, puis on le conduit auprès de Ménélas. Mais le roi a triste mine, et lorsque Télémaque lui révèle qui il est, sa tristesse se fait plus grande encore. Car il n'est pas une nuit depuis son retour de Troie où il n'a songé à cette guerre qui a duré si longtemps. Télémaque implore Ménélas.
Les dieux ont voulu que la fin d'Ulysse, son père, lui demeure obscure. Nul ne peut dire s'il est mort, ni comment, si c'est sur terre, des mains de criminels, ou bien sur mer, dans le royaume de Poséidon. Voilà pourquoi il vient à sa rencontre, avec l'espoir qu'il lui parle. Alors, le fauve Ménélas, grand capitaine des Grecs, prend la parole et lui raconte la guerre de Troie. Il lui raconte comment, là-bas, sous les murailles de la cité de Priam, sont morts les meilleurs d'entre eux. Achille, Patrocle, Ajax, Antiloque et des milliers d'autres. Mais Ménélas raconte surtout à Télémaque comment les Grecs ont pillé Troie, massacré femmes et enfants. Ce jour-là, confesse-t-il, enfiévrés par 10 ans de siège, ils n'ont écouté ni la raison, ni la justice. Et c'est pourquoi le courroux de Zeus s'est abattu sur les Grecs. Le dieu des dieux leur réserva à tous un funeste retour. Ménélas et ses hommes quittèrent les rivages de Troie pleins d'amertume. La conquête de la cité aux hautes murailles n'a pas tenu ses promesses. Les richesses que l'on prêtait à Troie n'existent pas. Nul trésor. Rien que des morts et des décombres. Alors Ménélas décide de s'enrichir en d'autres lieux avant de regagner Sparte, sa terre natale. À la tête de ses vaisseaux, il parcourt les mers, amasse de l'or et de l'argent jusqu'en Égypte, à l'embouchure d'un fleuve que domine une île inconnue. Aucun vent ne souffle. Il ne peut reprendre la mer. Cette île est desséchée, sans eau ni nourriture. Au moment où ils pensent leur fin proche, une divinité marine leur apparaît. Elle s'appelle Idothée et elle les prend en pitié. Elle leur révèle que seul son père pourra leur indiquer comment rentrer à Sparte. Son nom est Protée. C'est un immortel, le fils de Poséidon, dieu des mers, dont il garde tous les animaux marins et autres créatures des abysses. Mais Ménélas devra le saisir par la ruse, car Protée a pour habitude d'apparaître couvert d'une brume épaisse au moment où le soleil atteint le milieu du ciel, mais surtout de changer de forme aussi facilement qu'il le souhaite. Chaque jour, il vient s'étendre au creux des cavernes, entouré de phoques qui exhalent l'odeur âcre des profondeurs. Demain, il sera là. Le lendemain, Ménélas et ses hommes guettent l'arrivée du dieu Protée. Dès qu'il surgit des eaux, il se précipite sur lui. Protée se débat. Pour échapper à ses assaillants, il se transforme en lion, puis en sanglier et encore en panthère. Mais le puissant Ménélas, aidé par ses compagnons, parvient à l'immobiliser. Alors, Protée doit se rendre. Il accepte de répondre aux questions de Ménélas. Comment quitter l'île dont il est le prisonnier ? Demande le roi de Sparte. Protée lui répond que Ménélas est prisonnier de cette île parce que, tout à sa démesure, il a oublié de sacrifier à Zeus, négligeant sa grandeur et sa puissance. Ménélas, terrifié, s'empresse d'affirmer qu'il réparera l'affront que dans son insouciance il a fait à Zeus. Il s'en repent et offrira une hécatombe gigantesque au maître de l'Olympe, pourvu que ce dernier le laisse regagner Sparte, sain et sauf.
Puis, il pose une autre question au dieu Protée. Il lui demande si les Grecs, repartis de Troie en même temps que lui, ont péri ou ont survécu. La réponse de Protée est sans appel. L'un d'entre eux est mort et l'autre est captif de la vaste mer. Télémaque interrompt Ménélas. La question lui brûle les lèvres. Qui est mort ? Ménélas reprend son récit. Protée, raconte-t-il, prononce un nom. Agamemnon. Agamemnon est mort. Agamemnon, le roi des rois, s'est comporté comme un enfant qui croyait devoir être obéi. Mais on n'influence pas si aisément les éternels. Et les dieux l'ont châtié de sa démesure. C'est chez lui, en son palais, le jour de son retour, que le grand Agamemnon a péri. Un piège lui a été tendu. Par celui qui, traîtreusement, s'était hissé jusqu'à la couche de son épouse, la reine Clytemnestre. Cet homme, c'est Égisthe, le propre cousin d'Agamemnon et de Ménélas. Tandis qu'Agamemnon et les Grecs assiégeaient Troie, Égisthe, tranquillement, assiégeait l'épouse d'Agamemnon. La reine Clytemnestre refusa d'abord l'acte abominable. Mais le destin l'empoigna si bien qu'elle finit par céder aux assauts d'Égisthe. Moins par amour que pour se venger d'Agamemnon. Car depuis le jour où Agamemnon avait accepté de sacrifier leur fille, Iphigénie, pour obtenir les vents favorables au départ de son expédition guerrière vers Troie, Clytemnestre vouait à son époux une haine et une rancune que rien ne pouvait éteindre. Lorsqu'Agamemnon revint à Mycène, ignorant l'adultère, Égisthe et Clytemnestre l'accueillirent à bras ouverts. Ils sacrifièrent aux dieux, organisèrent un somptueux banquet et, en plein repas, l'égorgèrent. Aucun des compagnons qui l'avaient suivi ne survécut. Tous furent égorgés sur place, y compris celle qu'il avait emmenée comme esclave, la jeune Cassandre, la dernière fille du roi Priam. Triste fin pour celui qui entendait régner sur tous les hommes. Télémaque n'a rien perdu du récit de Ménélas. Mais si Agamemnon est mort, alors celui qui est captif de la vaste mer ne peut être que son père. Ulysse n'est donc pas mort. Il est captif de la vaste mer. Mais pour combien de temps ? Où ? Quelle puissance s'oppose ainsi à son retour ? Et pour quelle raison ?